Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une maison de plage de luxe sur Minecraft comme celle que tu peux voir derrière moi. Pouf! Alors voici un petit peu l'engin, la bébête. Je te rappelle du coup qu'on est en train de faire une petite série de tutoriels pour l'été. Donc avec plein de maisons un peu de ce style là, donc avec toutes celles que j'ai déjà fait par là-bas et toutes celles que je ferai après de l'autre côté. Donc c'est déjà prévu. Et donc voilà un petit peu celle qu'on va faire aujourd'hui, donc une maison de plage, donc là on n'est pas sur la plage, mais t'imagines qu'on est sur la plage, limite tu as la mer juste à côté là, et t'imagines que là, vraiment la maison elle pète la classe, honnêtement, voilà, c'est une petite maison de plage, j'aime bien ce genre de maison, moi honnêtement, hein, voilà. T'entres ici, t'as une espèce de terrasse de fou furieux, semi-couverte quand même, et une terrasse qui est énorme, et moi j'aime bien, voilà. Donc pour réaliser cette maison là, hop, on va aller sur notre petit truc ici. Et on va déjà faire des patterns au niveau du sol. Donc voilà, on va mettre 4 blocs de bûches de bois comme ça, se poser face vers le ciel, comme ça sur le sol. 4 bûches de bois comme ça sur le côté. Et on va tous les espacer de 1, 2, 3, 4, tu vois, blocs entre chaque bûche en tout. Donc on a un bloc, on espace de 4, un deuxième bloc, on réespace de 4, un troisième bloc, on réespace de 4 et on met un quatrième ici. Okay, et on fait un carré entier comme ça avec 4 blocs d'espace entre chaque bûche comme ça, ok. Et on va aussi mettre directement les piliers en bois qu'on va mettre pour soutenir la terrasse ici. Tu vois, on va mettre juste l'emplacement des piliers histoire d'avoir un repère. Et donc on va partir du côté ici, tu vois, de notre carré. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ok. Au 7ème, on met un repère. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'espace ici. Donc 6 blocs là-bas, 6 blocs ici. On remet notre barrière ici. Ok. Maintenant, on reprend notre maison dans ce sens-là. Ok. Et on laisse 4 blocs d'espace entre chaque barrière ici, comme ça. Donc, comme pour les bois, hein, pareil. Surtout la longueur ici, comme ça. Ok. Voilà. Et donc normalement vous avez 14 blocs en tout avec les barrières hein, par rapport au mur là-bas. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc c'est bel et bien ça. Impeccable. Donc voilà, une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir, d'ailleurs je les ai pas dans mon inventaire, hop, on va pouvoir utiliser les petits blocs de bois et on va monter tous ces blocs là, tu vois, à 9 blocs de hauteur. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire la même chose sur tous les autres. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir compter, revenir au sol, tu vois, pouf, compter 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur et à partir du 5ème, on va mettre, pouf, 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 toute une grande poutre comme ça qui va venir faire tout le tour de la maison, en fait. Ok, à 5 blocs de hauteur, donc du coup comme ça. Alors c'est pas une maison médiévale, hein, qu'on se le dise, donc il n'y aura pas de relief dans la structure. Il va y avoir des patterns, mais il n'y aura pas de relief dans les patterns, ce qui est normal. Donc c'est pas une maison médiévale. Donc voilà, c'est pour préciser, hein, puisque les maisons médiévales aussi sont avec des patterns. D'ailleurs, on va pas mettre de bûches comme ça de ce côté-ci, de ce côté là où on a mis les barrières hein, de la maison, puisque va y avoir une grande terrasse en fait qui va venir faire le tour. Donc du coup au lieu de continuer nos poutres ici comme ça et de les mettre sur cette façade là, en fait on va les continuer mais comme ça, c'est à dire on va venir les continuer à les mettre par dessus les barrières qu'il y a ici, donc au même niveau que les barrières hein, ici comme ça. Ok, la même chose là bas Hop, donc on en met tout jusqu'ici, ok, et on prolonge là-bas, en essayant d'être à la même hauteur, tant que faire se peut, ce serait sympa. Donc voilà, là on a nos blocs, on n'a pas encore tout fini, mais évidemment, mais on a nos blocs de bois qui sont déjà mis, c'est ça qui est pas mal déjà. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre en place le plancher de la maison, ce qui va pas être trop mal. On va utiliser les blocs de bois plus classiques, hein, les blocs de bois de chêne, le planche de bois de chêne, pardon. Et on va venir, tu vois, entre nos poteaux ici. Alors les poteaux, on va déjà les faire aussi tant qu'à faire. Hein. On va utiliser les barrières de bois. Et on va venir mettre les poteaux comme ça. Donc on va juste prolonger les barrières qu'on avait déjà mis au sol jusque toucher le plafond. Et on sera bon avec ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà, hein, tout simplement. Pouf. Ok, donc là on les a mis partout. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre
le sol, c'est-à-dire on va utiliser les planches de bois, hein, et on va venir les mettre à l'intérieur, tu vois, des piliers ici, comme ça, ok? Donc on va juste laisser cette tranche-là, tu vois, en vert. On va pas mettre tout ça en vert, mais tu vas comprendre un peu plus tard. Et donc tout cet espace-là, qu'on va mettre à l'intérieur des piliers, on va le changer, on va le mettre en bois de chêne classique, hein, pouf pouf pouf. Allez, vas-y. Ok, j'ai été bloqué. Hop, jusque là du coup, hein, en diagonale par rapport au bout du machin. Voilà. Et donc tout cet espace-là, on va le remplir en bois de chêne classique. Ok, et une fois qu'on a fait ça, hein, on va pouvoir utiliser la même chose, mais au niveau de notre terrasse ici, tu vois, notre grande terrasse à ce niveau-là, on va complètement boucher sur toute la longueur ici comme ça, et sur tout l'intérieur de la maison aussi, ok? Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà mettre en place la forme du toit. Alors bon, peut-être certains diront qu'on grille les étapes puisqu'il n'y a pas encore les murs ni rien, mais là vraiment, une fois qu'on aura mis le toit, tout le reste va aller vraiment vite, puisque c'est pas une maison compliquée de manière générale, hein, de toute façon. Donc voilà, alors l'idée c'est qu'on va utiliser, comme tu le vois, des demi-blocs de bois de sapin, ok, de planches de sapin. On va venir, parce que là c'est vrai que j'ai commencé à poser les blocs, on va venir du coup sur le côté, tu vois, de notre maison ici, comme ça, qui longe notre terrasse, et on va venir poser les demi-blocs ici sur le côté. Ok, et après on va venir demi-bloc par demi-bloc monter comme ça progressivement, histoire d'avoir un toit qui est pentu mais pas trop, tu vois, pas comme si c'était des escaliers. Et donc on va venir faire comme ça des escaliers en demi-bloc jusque là par exemple. On va faire la même chose, tu vois, de l'autre côté ici jusqu'à ce que ça se rejoigne, évidemment. Pouf 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 pouf. Voilà, et donc tu vois, là je suis allé un peu trop loin, donc on remet ici, et donc on a notre forme de toit. Voilà, magnifique. Alors on va quand même la faire ressortir du mur, parce que là tu vois, elle est complètement confondue avec cette partie-là du mur. On va la faire revenir comme ça par devant, histoire d'avoir un bloc de relief pour le toit, parce que c'est vrai que ça fait bizarre quand tu fais un toit qui est confondu avec la structure, enfin avec le mur, c'est vrai que, bon, sauf si c'est bien maîtrisé évidemment, mais... Sinon ça fait bizarre. Alors l'idée c'est qu'on va prolonger cette forme là de toit sur toute la longueur, plus 4 blocs qui vont être pris sur la terrasse pour pouvoir avoir une terrasse couverte au moins à un endroit. C'est à dire qu'on va venir prolonger le toit sur toute cette longueur là, tu vois. Et plus ici 1, 2, 3 et 4 blocs ici comme ça. Donc on aura vraiment le toit qui va s'arrêter, qui part par ici là. Dès que j'arrive à peu près à la même hauteur qu'en face, voilà. Donc le toit, voilà, il va faire pouf, 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 voilà. Donc on remplit ça rapidement. Moi, je te fais peut-être les contours pour ceux qui ne voient pas forcément bien ce que je raconte. Pouf, voilà. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Hop, ici, tu vois, en reprolongeant tout le côté comme on avait fait de l'autre côté. Et toute cette ouverture-là, tu vois, on comble de bois complètement. Et voilà un peu ce que ça donne du coup. Ok. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va reprendre nos bûches de bois pour pouvoir recoller. Tu vois, les bûches qui sont à ce niveau-là, là, qui sont dans le vide, on va les rehausser pour les faire coller au plafond. Ok. Ici et à l'arrière aussi, évidemment. Alors, tu vas remarquer que, du coup, là-bas, ça ne colle pas directement au toit, dans le sens où c'est comme c'est des demi-blocs. Ben, une fois sur deux, ça met un trou en dessous. Donc l'idée, c'est qu'on va évidemment combler la partie du toit en dessous ici avec des demi-blocs. Et on va le faire ben, sur toutes les longueurs, hein. Donc ici, voilà. On va le faire comme ça sur toute la longueur aussi, sur le dessous du toit, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait déjà. Voilà, je le fais sur toute la surface, hop, comme ça rapidement. Et je le fais sur tout le dessous du toit aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on va réutiliser les bûches de bois comme ça. Et on va les utiliser sur l'arrière de la maison, ok? Donc sur l'arrière de la maison, donc de l'autre côté de la terrasse. On va prendre le côté ici du toit et on va venir faire à partir de 5 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4 et 5e bloc, donc ici. On va faire une ligne de bois en fait sur toute la longueur, comme on avait fait pour l'étage du dessous. Sauf qu'on va le faire que là, c'est-à-dire qu'on enlève même des parties du toit pour que ça colle bien, hein, parce que comme ça de l'extérieur, voilà, ça rend plutôt bien.
Mais on va le faire que ici, on va pas le faire de l'autre côté, sur le devant de la maison, parce que on va mettre autre chose à la place. Donc voilà, faudra juste le mettre là-bas. Alors maintenant, on va même mettre rapidement les murs. Les murs de la maison, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il y a pas mal de courant d'air, hein, tu vas pas me faire croire le contraire. Et donc, on va mettre les murs, c'est-à-dire qu'on va venir mettre à l'intérieur des grands carrés en bois qu'on a fait ici, tu vois, tout un contour comme ça de bois, de planches, de chêne, hein, et on va faire ça sur tous les carrés, tous les patterns qu'on aura fait, ok? Pouf, 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 pouf. Après, il y en a qui diront, voilà, en construction moderne, on évite les connexions de textures, alors là, il y en a plein. Mais j'ai envie de dire, c'est un style en particulier, c'est vraiment le style plagiste made in bassin d'Arcachon un peu, tu vois, donc ça passe puisque c'est le style qui veut ça. Bref, du coup, voilà, hein, tu l'as compris, on bouche tous les trous comme ça en laissant la place pour les fenêtres avec un carré à l'intérieur, comme ça. Voilà, donc on fait ça sur tous les patterns, que ce soit au premier étage ou au deuxième, sauf du coup... sur l'entrée de la terrasse où là on va faire comme ça, c'est à dire on va mettre des, alors même je me rappelle plus exactement comment j'ai fait ça, c'est à dire qu'on va mettre une ouverture sur la terrasse qui va être comme tu le vois là avec des grandes planches qui vont venir comme ça, donc on va juste laisser 3 blocs de hauteur à ce niveau là voilà, c'est ça que je me demandais si j'en laissais 3 ou 4 et ça va être 3. Donc on va revenir sur notre terrasse ici, on va compter 1, 2, 3 blocs, et à partir du quatrième, on va faire une grande ligne ici, et tout l'espace qu'il y aura au-dessus, on va le boucher avec des blocs de bois, ici comme ça, sauf qu'évidemment il va y avoir des trous à cause du toit qui est en demi-bloc, donc on ouvre les places là où il y a des trous, et on va mettre des blocs de bois à la place, pouf, ici comme ça, et normalement c'est calculé pour que tout passe bien, hop. Voilà, tu vois, ici, il y a encore des trous, donc on enlève le toit et on remet des blocs dessus. Pouf! Voilà, et on finit les patterns de la maison. Ok, donc on commence à voir quelque chose, hein, n'empêche. Ça commence à se préciser, c'est ça qui est pas mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir sur l'un des côtés de la maison, par exemple celui-là, hein, tu prends l'autre côté si tu veux. Et on va venir boucher ici les murs sur ces deux pattern là précisément. Alors pourquoi ces deux patterns là? C'est pour pouvoir mettre un escalier d'extérieur qui va pouvoir monter au premier étage. C'est à dire qu'on va utiliser les escaliers en bois de chêne classique, ok, les escaliers comme ça, ainsi que les escaliers en chêne, pas du tout, en sapin, pour pouvoir faire la rambarde d'escalier, tu vas comprendre. On va venir ici là, tu vois, juste après notre bûche, mettre 3 blocs d'escalier comme ça, et on va venir les mettre sur le côté de la paroi pour arriver jusque ce niveau là, tu vois, et à partir de là on va faire une petite plateforme qui va permettre de pouvoir monter au premier étage, c'est à dire on va utiliser les blocs de bois comme ça, pouf, alors là j'ai mis du verre, c'est pas du tout ce qu'il fallait. On va mettre des blocs comme ça et on va prendre aussi des blocs de bûches de bois. Hop, je les mets ici, et on va venir les faire à partir de ce croisement-là, tu vois, ressortir de la façade à 4 blocs, donc 1, 2, 3, 4, ok, on repart par là, 1, 2, 3, 4, et normalement, on est bien, peut-être 5 d'ailleurs, et en gros, voilà, on va monter notre escalier comme ça, pouf, 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 et on va remplir notre plateforme ici, de blocs de bois, et évidemment la fenêtre qui est là, on va l'ouvrir sur le bas pour faire une entrée de la maison, hein, et puis ça marchera beaucoup mieux. Donc on va mettre aussi les escaliers à l'envers derrière l'escalier qu'on vient de mettre, parce que c'est vrai que ça fait plus joli, ça fait un effet plus lisse, plus lissé de l'escalier, qui donne un aspect esthétique plus sympathique. Alors, par-dessus, sur tout le côté ici, tu vois, entre notre bloc de bois ici et le sol, on va rajouter une rambarde d'escalier qui va être en escalier elle-même, donc en escalier de bois comme ça, et on va venir comme ça, voilà, mettre des escaliers, pouf, 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 ici comme ça, sur le côté, ainsi que des escaliers à l'envers, pour faire une rambarde d'escalier qui fait stylé, voilà. Alors, on va aussi rajouter, d'ailleurs, de la barrière de bois, comme ça, au niveau du coin ici, ok, pouf, pouf,
pouf, pouf. On va même d'ailleurs ajouter la fenêtre qu'on avait enlevée ici. En fait, il fallait juste boucher ce coin-là pour pouvoir mettre une barrière ici. Alors les barrières, on va les utiliser directement encore puisqu'on va faire tout... On va les placer ici comme ça sur la longueur. Ok, et on va aussi les placer tout autour de la terrasse. Hein, comme ça, hein, rapidement. Hop. Voilà, hein. Et on va aussi utiliser les barrières pour pouvoir mettre un support au toit ici comme ça qui est surélevé par rapport à la maison. Donc on va venir ici, pouf par exemple, ou là, hop, voilà, venir jusqu'au sol pour faire un petit support comme ça. Hop, alors voilà, alors oui effectivement si on le met directement au-dessus des barrières ici là tu vois les demi-blocs du toit nous empêchent de les poser directement dessus. Donc il faut faire un petit décalage ici tu vois entre les barrières et les barrières ici pour pouvoir coller au toit. En fait voilà tout simplement. Voilà donc on a notre barrière ici. Me semble-t-il qu'il y a une fenêtre que j'ai oubliée. Voilà, c'est ça, la petite fenêtre qu'il y a ici. Donc on va mettre en place les vitres aussi, tant qu'à faire. C'est-à-dire, on va venir mettre une fenêtre, hop, là. On va mettre des vitres classiques, voilà. Au niveau de notre entrée de terrasse à ce niveau-là, on va aussi rajouter des vitres ici, comme ça, sur le dessus. Hop, ok, paf. Et on va rajouter des vitres sur tous les trous ici qu'il y a dans l'étage, toutes les fenêtres en fait. Et au niveau du dessus des portes aussi. On va juste rajouter une petite porte à ce niveau-là, tu vois, au milieu de notre terrasse au premier étage. Et on va rajouter, pouf, pouf, des vitres ici. Donc voilà, maintenant on remplit comme ça hein, toutes les fenêtres rapido. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne avec les fenêtres. Hein. On n'a pas encore tout fini parce qu'il y aura encore les trucs du toit à mettre, mais ça serait beaucoup plus rapide. Et j'avais envie en fait de finir un petit truc avant de passer à la suite, c'est de mettre... Un chemin devant l'escalier, tu vois, ici comme ça, qui va prolonger sur toute la longueur, sur la même taille que la terrasse. Hein. D'ailleurs, je suis allé un bloc un peu trop loin. Pouf. Et on va aller faire évidemment 2-3 blocs de large, hein, comme l'escalier. Sauf qu'on va laisser un truc sympa, c'est-à-dire on va laisser une petite bande d'herbe, ici, tu vois, entre la terrasse et notre petit chemin d'escalier qu'on va mettre en bois lui aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, on le fait rapidement. Ok, et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va juste rajouter, hop, des petites plaques de pression en bois que l'on va mettre entre notre chemin ici et la terrasse là. On va les mettre ici, par exemple, tu vois. Ou même, voilà, comme ça. Et en fait, on va pas en mettre à ce niveau-là, tu vois, ni tout le long, ni tout le long là-bas. En fait, ce qu'on va mettre là-bas entre les piliers, ça va être comme sur le modèle aussi. Enfin, je vais te montrer du coup. On va mettre, tu vois, des grandes fleurs, des fleurs et des grandes herbes comme ça pour faire un petit peu une barrière naturelle un peu, tu vois. Donc on va prendre les fleurs bleues par exemple. Tu peux prendre une autre couleur si tu voules. Moi j'ai pris ça parce que ça me plaît bien. Hop, et j'ai mis les blocs de feuilles, enfin de fleurs au milieu. Comme ça, et je vais les entourer de tôle grasse, donc d'herbe haute, voilà tout simplement, d'herbe à 2 blocs de hauteur, hop, et on les met sur le côté comme ça, et on va rajouter des barrières comme ça derrière les fleurs, parce que ça fait joli, parce que ça fait bien, moi j'aime bien mettre des barrières comme ça ici, tu vois, sur la limite de notre terrasse, ok. Pouf, comme ça. Et ça rend plutôt bien, moi j'aime bien. Voilà. Enfin, évidemment que j'aime bien, je répète ça à chaque fois, mais... Bon, alors, tu vois que la maison, quand même, elle commence à prendre une sacrée tronche. On va rajouter quelques petits trucs. Notamment à ce niveau-là, tu vois, on va rajouter une petite entrée ici. Parce que ça fait plaisir, hein. Voilà, on va se faire plaisir un petit peu. Donc, on rajoute les blocs au niveau du bas, hein, au niveau de l'entrée, quand même, pour pouvoir éviter d'avoir les pieds dans la gadoue quand tu entres dans la maison. Et on va rajouter aussi les plaques de pression, les mêmes que tout à l'heure. Entre, ici, tu vois, l'entrée de la maison et, hop, la partie qu'on a laissée ouverte à ce niveau-là de la terrasse. Hop, et on fait un petit chemin comme ça, tu vois, en plaques de pression. Moi, j'aime bien utiliser les plaques de pression. Hop, alors...
On va utiliser aussi les demi-blocs de bois de sapin comme pour le toit pour faire un mini toit au-dessus de cette entrée là. Donc on va venir ici, pouf 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 pouf, pouf 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 pouf, voilà. On va le faire de deux blocs de hauteur parce que on est généreux. Voilà, c'est tout. Moi j'aime bien, ça met un petit plus, tu vois, à la maison. Alors une fois qu'on a fait ça, on va quand même mettre des, comment ça s'appelle, des formes dans la maison comme ça, donc des fenêtres comme ça, tu vois, qui ressortent du toit. Alors attends, je vous avais laissé de combien? 1, 2, 3, 4, 5 blocs sur le côté et la même chose je crois de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Ok, donc on va venir sur les côtés, tu vois, de notre toit ici. On va compter 5 blocs à partir de ce bloc là, tu vois. On va compter 5 blocs de chaque côté, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, au sixième on en place 1, on passe un repère. La même chose ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, au sixième, on place un repère. Et l'idée, c'est qu'on va faire une forme comme ça, tu vois, comme sur le modèle, au-dessus, enfin sur le toit, et on va venir monter petit à petit, comme ça, les demi-blocs sur le toit, jusque-là. Ok? Et donc, on va prolonger ces formes-là, comme ça, voilà, histoire de faire une fenêtre, qui va ressortir du toit. Et on va les mettre tous à la même hauteur quand même. On va les mettre, voilà, à ce niveau-là. Youp, pouf, 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 pouf. Ok. Alors, une fois qu'on a mis notre fenêtre ici comme ça, on va augmenter son épaisseur. Donc, on va mettre, voilà, deux demi-blocs d'épaisseur sur la longueur. Et après, on va enlever tous les blocs qui vont bloquer, hop, cette fenêtre-là. Et on mettra de la vitre à la place. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, donc quand on s'éloigne un peu, tu vois que ben on voit pas au travers du toit, c'est normal, on l'a pas enlevé les blocs ici. Donc tous les blocs à l'intérieur de la fenêtre ici, comme ça, on les enlève évidemment. Alors en essayant de pas tout péter, ce qui est délicat pour certains d'entre nous, qui manque peut-être de délicatesse, dont je fais notamment partie bien évidemment. Je suis en train de tout casser, qu'est-ce que... Voilà, il faut essayer de garder un truc propre quand même vu de l'intérieur. Voilà, là ça paraît propre. Hop, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser les blocs complets, je crois, ou les blocs de fenêtres. Ouais, c'est ça, les blocs complets de vitres, donc les blocs de verre. Hein. Hop, et on va les mettre en fenêtre comme ça, pouf, à l'arrière. Voilà, voilà. Et on va venir mettre, en cassant le toit ici pour mettre dans les trous, hein, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, pouf, de la maison. Et hop, voilà. Hein, voilà, de chaque côté, comme ça on est bon. J'ai fait ça rapidement, enfin hors caméra évidemment. Voilà donc, on arrive quasiment à la fin, il y a eu un bug, il y a une couille dans le pâté visiblement. Pouf, pouf. Et en fait, je vais juste finir par mettre quelques petites décorations, on va dire. Je vais te les montrer même plus tôt. Ah oui, d'ailleurs, j'avais rajouté un truc à l'arrière. Moi, tu peux le rajouter aussi, tu vois. J'avais mis une espèce de petit chemin comme ça pour venir sur l'arrière de la maison faire une ouverture. Tu peux faire ça aussi. C'est vrai que moi, je l'avais fait juste sur le côté, ici, comme ça. Donc moi, ce que j'avais mis, c'est des bronzates, que j'aime bien les appeler, donc avec des du bois de chêne sombre, comme ça, avec un escalier et un demi-bloc posé comme ça sur la terrasse, rapido, avec une petite table, elle-même faite en escalier et en demi-bloc. Voilà, avec le petit le parasol par-dessus, avec parasol design un peu, tu vois, en style moderne, en angle droit avec des trappes, et du pilier en brique, en pierre, pardon, pour faire un petit peu de la déco, tu vois, sur la terrasse. Mais grosso merdo, la maison est finie quand même. Hein, et on a une jolie petite maison de plage hein, qui est franchement pas dégueu. Moi, j'aime bien. Alors, la prochaine fois, ça sera aussi une maison de plage normalement. Ou alors, peut-être j'en ferai une de plus tard. Je te tease un peu de loin, vous voyez. Donc, j'ai mis un peu plus de trucs sur cette maison là-bas. Ou alors, après, il y aura d'autres trucs que j'ai pas fini forcément. Enfin, bref. Voilà, il y a des choses de prévues, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais tu la découvres. Sur ce, moi je te dis un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.